Il était une fois un fermier qui avait un âne. Cet âne travailla de longues années au service de son maître, transportant pour lui des sacs de farine et de blé. Mais à mesure que les années passaient, l'âne vieillissait et perdait peu à peu sa vigueur. Sentant qu'il n'était plus capable d'accomplir les travaux de la ferme, il partit un beau matin pour entreprendre un long voyage. J'ai peut-être perdu ma force, mais je n'ai pas perdu pour autant ma belle voix. Je pourrais aller à Brême et gagner ma vie en chantant. Chemin faisant, il croisa un chien de chasse étendu sur la route. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, allongé par terre ? Je suis un chien de chasse, mais je suis vieux et je ne peux plus courir vite. Je ne suis plus d'aucune utilité à mon maître chasseur. Je comprends. J'ai une proposition à te faire. Je vais à Brême pour y devenir chanteur. Viens avec moi et formons un duo. Je pourrai jouer de la mandoline et toi du tambour. Le chien accepta la proposition et se mit en chemin avec l'âne. Au bout de quelques instants, ils aperçurent au bord de la route un chat assis sur le toit d'une maison. Le chat semblait très triste. Qu'est-ce qui t'arrive, petit chat? Tu es bien triste, on dirait. Est-ce que tu as des soucis? C'est que je me fais vieux. Je n'ai plus la force de courir. Et mes belles dents sont toutes usées. Au lieu de chasser les souris, je passe mon temps à me prélasser assis au coin du feu. Voilà pourquoi mon soi-disant maître a décidé de me chasser de sa maison. Je vois. Eh bien, tu devrais venir avec nous. Venir avec vous? Et où est-ce que vous allez, comme ça? Nous nous rendons à Brême pour être musiciens et former un orchestre. Les chats sont souvent de bons musiciens. Tu pourrais nous accompagner et jouer de l'harmonica. Le chat, tenté par cette proposition, descendit du toit et se joignit à eux. Les trois compères se remirent en route et, en passant devant une ferme, ils virent un coq juché sur une barrière qui lançait de grands cocoricots. Mais enfin, il est presque midi, monsieur coq. Pourquoi est-ce que tu chantes encore à une heure pareille? Parce que demain, c'est dimanche. La femme de mon maître reçoit toujours le dimanche. Et ils ont l'intention de me servir à leurs invités demain. Mais pourquoi restes-tu ici? Pourquoi tu ne t'enfuis pas de chez toi? Et où est-ce que j'irai? De toute façon, aujourd'hui est mon dernier jour, alors je chante tant que je le peux. D'accord, d'accord. Inutile de t'user la voix comme ça. Viens plutôt avec nous à Brême. On va y former un orchestre. On pourrait avoir besoin d'une belle voix comme la tienne. Le coq, séduit par cette proposition, accepta immédiatement. Il sauta de sa barrière pour se joindre au groupe. Les quatre compères se remirent en route ensemble. Bien. Arrêtons-nous dans la forêt pour la nuit, mes amis. Nous reprendrons notre voyage demain matin. Avant d'aller dormir, le coq grimpa pour inspecter les lieux. Et du haut de l'arbre où il se trouvait, il dit « J'aperçois une lumière là-bas. Il doit y avoir une maison pas loin d'ici. » Eh bien, levons-nous et allons voir par là-bas. Je n'ai pas l'habitude de dormir comme ça dans la sombre forêt. Qui sait, je trouverai peut-être un petit os à ronger. Ils décidèrent donc tous ensemble de se rendre à l'endroit d'où venait la lumière. Ils finirent par arriver devant une petite maison. Comme il était le plus grand des quatre, l'âne s'approcha d'une fenêtre, regarda à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois, compère l'âne? Tu veux savoir ce que je vois? Je vais te le dire, je vois une magnifique table bien dressée. C'est formidable! Formidable, oui. Et je vois aussi toutes sortes de plats et de boissons sur cette belle table. J'ai tellement faim, j'en salive déjà.
Allez, venez, entrons dans cette maison. Attendez, les amis, je n'ai pas encore fini. Et je vois aussi 4 bandits, tous armés, qui mangent et qui boivent, confortablement installés autour de cette table. Quand ils entendirent le mot « bandit », ils furent tous très déçus. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait des bandits? J'avais tellement faim! Tant pis, retournons dans les bois! Oh, si seulement il y avait un moyen d'effrayer ces bandits pour les faire fuir! Attendez un peu! Je crois que j'ai un plan, les amis! Écoutez-moi attentivement! Les 4 animaux formèrent une tour en montant chacun sur le dos des autres. Puis, au signal de l'âne, ils se mirent tous à crier en même temps. En entendant ce terrible tintamarre, les bandits sursautèrent effrayés. Les 4 amis brisèrent la fenêtre et bondirent à l'intérieur dans un grand fracas. Abandonnant leurs armes, les bandits, pris de panique, quittèrent la maison et s'enfuirent dans les bois. Les 4 compères étaient ravis que leur plan ait si bien fonctionné. Ils s'installèrent aussitôt à table et commencèrent à déguster le délicieux repas que les bandits leur avaient laissé. Après le dîner, ils étaient bien fatigués. Chacun se chercha un endroit confortable pour se reposer. Ils éteignirent toutes les lumières et s'endormirent. Il était plus de minuit à présent. Les bandits regardèrent vers la maison et virent que les lumières étaient éteintes. Ils envoyèrent l'un d'entre eux en reconnaissance. Le brigand trouva la maison bien calme et voulut allumer une lumière. À peine eut-il gratté son allumette que le chat lui sauta au visage toute griffe dehors et que le chien lui mordit la jambe. Réveillé par tout ce vacarme, le coq se mit à chanter à plein poumon. Et au moment où le bandit s'apprêtait à franchir la porte, l'âne fit une ruade et lui donna un grand coup de sabot. Terrorisé par ce qui venait de lui arriver, le brigand retourna vers ses compagnons. C'est pas un monstre qu'il y a dans la maison, mais 4! Ils m'ont tous attaqué! Les 4 bandits s'enfuirent sans regarder en arrière et n'eurent jamais le courage de revenir dans la maison. Les 4 musiciens de Brême, quant à eux, se sentaient si bien dans cette demeure qu'ils abandonnèrent l'idée d'aller à Brême et décidèrent de s'installer là définitivement. Tous ensemble, ils coulèrent dans la maison des jours heureux, passant leur journée à chanter et à jouer de la musique.